eu beaucoup. Évidemment, on pense toujours à Marie Curie qui était justement elle était le nom du programme européen qui pousse aussi les femmes dans la recherche. Et il y en a aussi d'autres. Hein. Il y a par exemple aux États-Unis donc des femmes qui étaient très persévérantes et dynamiques. Il y avait Béatrice Tinsley qui a fait des interactions de galaxies. Donc je l'ai montré lorsqu'il y avait un colloque justement et on avait pas mal discuté. Elle était très accrocheuse, elle parlait toujours. Il faut avoir un peu de courage pour parler en public devant une assemblée d'hommes, donc là elle le faisait. Il y en a d'autres, comme par exemple Vera Rubin, qui est décédée aujourd'hui malheureusement, mais qui avait progressé dans la matière noire de l'univers, donc fait quelque chose d'original que les hommes n'ont pas fait. Donc c'est toujours ça qu'il faut se proposer comme modèle. Il y a toujours une voie, et ne pas suivre la voie des hommes et rester derrière, mais il faut prendre une voie originale, et à ce moment-là on sera reconnu.